Fin 1940. Les puissances de l'Axe dominent toute l'Europe de l'Ouest. Momentanément stoppée par la Manche, l'armée allemande regroupe ses forces et prépare l'invasion imminente de la Grande-Bretagne. Un des membres du haut commandement britannique ne se résigne toutefois pas à ne devoir jouer qu'un rôle défensif. C'est le colonel Dudley Clark. Son plan ? Créer une unité spéciale composée d'une poignée d'hommes exceptionnels. Des hommes entraînés au maniement de n'importe quel type d'armes ou de matériel. Des hommes capables d'affronter l'ennemi au cours des missions les plus dangereuses. Des hommes capables de modifier le cours de la guerre. Des hommes dont le destin est d'écrire l'histoire. Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve sur PC pour le test de Commando derrière les lignes ennemies, Commando Beyond Enemy Lines, sorti en 1998, édité par Eidos et développé par Pyro Studio. C'est un jeu qui a initié un sous-genre du jeu de stratégie sur PC, à savoir le Commando-like justement. Le principe, c'est qu'on dirige une équipe d'élite, une équipe de commando, d'hommes britanniques, canadiens, australiens et américains, des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vont être parachutés derrière les lignes ennemies pour effectuer des opérations souvent de sabotage, des opérations durant lesquelles ils vont sauver des résistants ou des prisonniers, ou exécuter par exemple des généraux, des choses comme ça. Donc c'est le premier de la série des commandos. La particularité de cette série, c'est sa véracité historique. On va visiter des lieux durant la Seconde Guerre mondiale comme la Norvège, l'Afrique du Nord ou la Normandie, avec toujours une représentation très fidèle des bâtiments, des véhicules, des endroits et une certaine véracité historique dans les opérations qui ont été effectuées, qui sont inspirées de véritables opérations qui ont existé. Et l'autre particularité, c'est que les développeurs de ce jeu, les scénaristes du jeu, ont une grosse part d'inspiration de la part des films de guerre des années 60, comme Les Canons de Navarone, Les Douze Salopards, etc. Ce que je peux vous montrer avant de passer à une partie... attendez, je dis pas de conneries, c'est pas là... Hop, ici, vous voyez, on a accès à ce qu'on appelle les didacticiels. On va regarder, donc vous voyez, on a accès à les didacticiels pour chacun des personnages qu'on va pouvoir incarner, ainsi que pour les principes de base du jeu. Donc didacticiel qui se compose d'une vidéo explicative pour chacun de ces chapitres et d'une courte mission d'entraînement pour mettre en application justement ce qu'on vient de voir en vidéo. Donc ça, je vais pas vous le faire, je vais vous montrer un petit peu les ficelles du jeu dans une partie. Mais c'est bon de savoir que sur un jeu avec un gameplay quand même assez complexe, on a une aide en plus du manuel, une aide complète intégrée au jeu. Le système de sauvegarde, le système de sauvegarde permet, vous voyez ici, de charger des parties préenregistrées, de sauvegarder, de charger quand on veut. Et il y a aussi un système de mot de passe qui permet de charger les missions qu'on veut juste pour faire une mission à la fois. C'est pas, on charge pas un état de la campagne, on charge une mission. Sinon, les missions s'enchaînent, elles vont s'enchaîner les unes à la suite des autres. Justement, je vais vous charger la mission 3. Vous allez voir le briefing de la mission 3 et puis on va commencer par là. Mars 1941. Afin de faire diversion et attirer les troupes ennemies loin de la Méditerranée, il faut organiser des incursions répétées en Norvège pour harceler l'occupant et contraindre Hitler à renforcer ses troupes dans la région. Ces incursions doivent nécessiter le minimum de matériel pour un maximum de résultats. L'objectif de cette opération est de détruire le grand barrage de Sissendam, situé près de l'usine hydroélectrique de Sima à Eidfjord. L'alimentation en électricité de toute la région sera coupée et les eaux brusquement libérées emporteront plusieurs ponts importants sur leur passage. Lieutenant, vous allez pénétrer dans cette zone par le nord et détruire le barrage en plaçant des explosifs à sa base. Vous devrez d'abord voler les charges explosives que vous trouverez dans la centrale électrique. N'oubliez pas que seul l'artificier peut s'en occuper. La clôture d'enceinte de la centrale est électrifiée.
mais vous pouvez couper son circuit d'alimentation grâce à cet interrupteur. L'espion de votre unité peut jouer le rôle d'un commandant allemand. Trouvez-lui un uniforme allemand et tous les soldats ennemis le salueront comme s'il était des leurs. Une fois cette mission achevée, vous serez récupéré par un camion au nord de votre position. Cette mission est loin d'être facile, lieutenant. Seule une coordination parfaite de vos hommes pourra assurer le succès de l'opération. Faites en sorte que chacun connaisse bien son rôle. Merci, lieutenant. Vous pouvez disposer. Comme vous venez de le voir, en fait, on est ici sur une mission de sabotage. Je vais vous résumer rapidement la mission. On démarre ici, vous voyez, tout en haut de la carte. Et ce qu'on doit d'abord faire, en fait, il faut qu'on arrive à se rendre ici pour voler à la fois un canot pneumatique et un uniforme d'officier allemand pour l'espion. Ensuite, l'espion doit se rendre en passant par ici. Par-dessus le barrage, il sera déguisé en allemand, il sera indétectable. Il pourra passer ici, rentrer dans la centrale électrique ici pour couper l'alimentation d'électricité de la clôture. Et comme ça, on pourra débarquer tout au bout là avec notre canot et nos hommes ici, couper la clôture à l'aide d'un de nos hommes qui sait faire ça, et ensuite rentrer dans le camp pour pouvoir voler les explosifs. Afin de faire sauter le barrage. Plus précisément, faire sauter ça, qui est une guérite de défense du barrage, et le barrage en lui-même. Voilà. Donc ça, c'est pour la théorie. Vous avez remarqué d'ailleurs au passage, le jeu est entièrement doublé et traduit en français, ce qui est toujours appréciable, même si au niveau des voix de doublage, c'est quelconque. Voilà, il n'y a rien de particulier, mais au moins c'est clair et intelligible. Et vous avez remarqué l'autre chose, c'est la qualité exceptionnelle pour l'époque des graphismes de ce jeu. C'est très fin, très détaillé. Les premières missions sont pas parmi les plus détaillées. C'est-à-dire qu'il y a des jolis bâtiments, mais il n'y a pas encore d'avions, de choses comme ça, de véhicules. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, vous voyez, c'est super détaillé, mais il y a mieux. Il y a mieux dans le reste du jeu. Je vous montrerai ça à la fin du test. Il y a encore mieux. Donc vous remarquez que la représentation est en 3D isométrique. On ne peut pas tourner la caméra puisque c'est de la 2D. C'est de la 3D isométrique mais avec un moteur 2D. Donc on ne peut pas tourner la caméra. On ne peut pas changer de sens ou autre chose comme ça. Voilà. Mais sinon, un jeu superbe. L'interface de jeu, pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, on va commencer par l'interface. Vous voyez ici, en haut à gauche, nous avons nos hommes. Donc je vous détaillerai bien entendu le rôle de chacun, le rôle de nos hommes, sachant qu'ici on a 4 personnages sur les 6 disponibles. On pourra en avoir plus, on pourra en avoir moins. C'est-à-dire que la mission elle-même détermine quels hommes sont utiles, un petit peu comme dans Mission Impossible, quels hommes sont utiles à la mission. Ici on n'a a priori pas besoin des deux autres, donc ils ne sont pas proposés. Vous avez donc la sélection des hommes qui peut se faire comme ceci en cliquant dessus. Une fois qu'on clique sur un homme, on a accès ici à son pactage et les différentes actions qu'il peut effectuer, que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Si je clique sur celui-ci, c'est pas les mêmes actions. Sur celui-là non plus et sur celui-là non plus. Voilà. Et quand je reclique sur un homme, son visage redevient gris et je n'ai sélectionné personne. À partir du moment où j'ai un sac à dos, j'ai sélectionné quelqu'un. Vous avez ici une petite carte une petite map en fait de la carte de jeu. Les points bleus ce sont nos hommes, les points rouges ce sont les Allemands, avec entouré l'objectif à atteindre, comme vous le voyez ici, le barrage à faire sauter. Et nos hommes sont là, on les voit en bleu, ils sont là. Et tous ces points rouges c'est les Allemands. Et ici, quand vous cliquez sur cette petite corne, vous avez l'indicatif de la mission. Et en fait, les différentes étapes
qui sont parfois obligatoires, parfois optionnelles pour réussir la mission. Donc ici, la plupart des étapes sont obligatoires, mais il y aura des missions où certaines étapes seront conseillées pour progresser plus facilement, mais on pourra faire autrement, on ne sera pas obligé. Donc je vais vous parler de la principale caractéristique de ce jeu, à savoir le système de champ de vision. Et après, on commencera à jouer. Mais avant, il faut que je vous explique un petit peu comment ça marche. Ici, vous avez un œil. Cet œil, ça va vous permettre de voir ce que voit l'ennemi. Par exemple, cette patrouille ici, je clique sur le soldat de tête et je vois, vous voyez, alors c'est pas un cône puisque c'est c'est plat, c'est au sol, c'est en 2D, mais c'est un cône de vision qui représente ce que voit l'ennemi. Ce que voit ce soldat-là. Ce soldat-là, vous voyez, il voit très loin, parce que forcément c'est dégagé, c'est à découvert. Par contre, vous voyez qu'ici, quand il regarde vers les rochers, là, ici, il ne voit rien parce que, tout simplement, ce rocher-là masque ce qu'il y a derrière. Et ici, pareil, il ne peut pas voir ici en contrebas, puisqu'il y a les rochers devant. Et là, c'est pareil, s'il va passer par là, il ne peut pas voir derrière le mur, il ne peut pas voir derrière la tour, parce que on y est caché, il ne peut pas nous voir. Donc, comment ça marche le système de cône de vision? Je vais le mettre sur un autre soldat. Hop. Ici, par exemple, celui-ci. Le système de cône de vision, vous avez deux couleurs. Ici, en vert clair, c'est la zone de vue à courte portée. Et en vert foncé, la zone de vue à longue portée. Donc ça, c'est ce que voit le soldat au loin. Et ça, c'est ce qu'il voit de près. Quand on rentre dans cette zone-là, avec n'importe lequel de nos hommes, qu'on soit debout ou accroupi, c'est mort, on est repéré. Par contre, dans la zone vert foncé, si on est accroupi, on n'est pas vu. Par contre, si on est debout, on est vu. Voilà, tout simplement. Et grâce à ça, on va pouvoir savoir à quel moment il faudra passer, qui voit quoi. Ça pourrait être pratique, par exemple, de savoir que tel soldat voit tel autre, mais qui ne le voit dans son champ de vision lointain. C'est-à-dire que quand il regarde ailleurs, je tue le soldat en question, et quand il va regardez de nouveau, il ne verra plus parce qu'il sera au sol, par exemple. Donc ça, c'est un outil indispensable pour parvenir à jouer correctement à ce jeu. Donc ça, évidemment, c'est la base du jeu et ça a été repris dans tous les autres commandos et dans les jeux dérivés de commandos également. Donc ça, c'est une option indispensable. Et ici, vous avez une option un petit peu plus dispensable qui est l'option de caméra embarquée. Qui va vous permettre à la fois de suivre, comme ici, si je clique sur cette patrouille, ben la caméra suit leur mouvement. Vous allez me dire c'est pas très utile parce qu'on voit plus nos soldats. L'idée c'est que grâce à ça, on peut créer plusieurs caméras. Je vais pas vous le montrer parce que c'est chiant. Et splitter en fait l'écran jusqu'à 6 petits écrans sur lesquels on pourra intervenir chacun leur tour. Donc par exemple, je pourrais, mettons, donc je vais couper la caméra là. Je pourrais, mettons, filmer ce qui se passe derrière le barrage, ici par exemple au niveau de cette patrouille-là qui est assez puissante, et filmer plutôt du côté de mes hommes, je pourrais essayer de faire un truc qui me permette de voir à plusieurs endroits en même temps et de coordonner des actions groupées. C'est le principe du jeu, hein. Bon, après, c'est pas forcément utile tout de suite. Un peu plus tard dans le jeu, ce sera quand même assez utile. Dans ces missions-là, ce sera pas fort utile. Ce que je vais faire en fait, je vais charger une partie où j'ai éliminé cette patrouille là parce que c'est un peu long. C'est-à-dire que soit on peut y aller au pistolet mais on risque de se faire avoir, soit on peut y aller avec le piège à loup de l'artificier, je vous montrerai ça après. Mais concrètement, je préfère m'en débarrasser en chargeant une sauvegarde et pouvoir faire le début de la mission. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller jusque dans ce camp là, essayer de au moins de voler le canot et l'uniforme, que je puisse vous montrer un petit peu les aptitudes des autres personnages. Et après, je vous montrerai une autre mission. Donc, je vais charger. Hop là, donc je vous montre comment on fait pour charger. L'écran de sauvegarde qu'on va avoir très souvent. Charger la partie, mission 3, début. Hop, et vous allez voir. Donc là, c'est l'écran qu'on a quand on a le temps de chargement. Avec l'un des personnages principaux, le béret vert. Celui que vous voyez sur la pochette du jeu. Et on va charger donc la même partie. Mais vous voyez que ici, il y a les cadavres de la patrouille qui étaient là. Je les ai éliminés. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer chacun des personnages de ce scénario, sachant que les manquants, je vous les montrerai dans une mission suivante. Le premier personnage, on va commencer par celui qui est sur la pochette du jeu, le béret vert, okay, qui est ici. Laissez-moi faire. Donc le béret vert, lui,
Ça peut paraître comme le bourrin du groupe, parce qu'il est très costaud, mais pas du tout, en fait, c'est un des personnages avec le gameplay le plus subtil. Donc, par exemple, son aptitude principale, c'est de tuer silencieusement à l'aide d'un couteau de commando. Donc ça, c'est simple, on clique dessus, vous voyez, on a une forme de couteau. Bon là, je peux pas tuer ce soldat-là, mais je pourrais si j'étais à côté. On s'arrange pour qu'un soldat ne nous voie pas, et hop, on l'égorge avec le couteau. Très simple. On a tous les soldats ont chacun une arme de service qu'on pourra utiliser en cas d'urgence, mais qu'il vaudra mieux éviter parce que ça fait du bruit. On a la possibilité ici de ramasser des objets. Lui, ce sera surtout pour ramasser des cadavres. Je vais vous Coché. montrer. Alors, quand on C'est double-clique comme sur si quelque c'était chose, fait. il se met à courir, J'arrive. sinon il marche. Vous Je voyez, on peut viens. transporter un cadavre. Il n'y Tout a de que suite. lui et l'espion qui ont cette aptitude-là. Donc, c'est très pratique. Par exemple, la Facile. patrouille, là, je les ai tués à peu près là. Et je les ai ramenés ici au cas où. Si jamais j'attire l'une des sentinelles qui est ici, ou ici, ou encore ici, eh ben ça me permet d'éviter d'être vu, tout simplement. Donc planquer les corps, ce sera un truc de toute façon, ce sera un réflexe. Dans Commando et dans tous les jeux du genre, planquer les corps, ça devient un réflexe, tout simplement. Une autre des aptitudes du commando béret vert, c'est cette radio-là. Bah, de toute façon, ça, je vais vous le montrer tout de suite après. En fait, c'est une petite boîte qu'on va poser par terre, qu'on pourra mettre en route à distance à l'aide d'une télécommande, et qui va, c'est marqué, comme son nom l'indique, c'est un leurre. Bah, ça s'affiche plus, tiens. C'est un leurre, et donc en fait, ça va faire une espèce de grésillement de radio, une espèce de bruit, et les soldats ou les soldats allemands à proximité vont pas pouvoir s'empêcher d'aller voir de quoi il s'agit. Et du coup, ça permettra de les attirer dans un piège. Je vais vous montrer tout de suite après. Mais avant, je vais vous montrer une Ok. autre aptitude du béret vert qui n'est possible que sur les C'est cartes comme comme si ici c'était où on a de fait. la neige. Tout de D'ailleurs, au suite. passage, Ok. vous remarquez que quand on marche dans la neige, on laisse J'arrive. des empreintes qui s'effacent au fur et à mesure. Je Et viens. ces empreintes, elles permettent à l'ennemi de vous repérer. Facile. Ok. Donc, admettons que je me mette sur la neige, on peut se Laissez-moi camoufler faire. en cliquant sur cette pelle. Facile. Hop, vous voyez qu'il creuse la neige. Et il va se mettre dedans. Et là, si un soldat passe maintenant, il ne le voit pas. Et en faisant clic droit, C'est comme si on c'était fait. ressort et on peut le prendre par surprise. Ça, le béret vert, il ne peut le faire que sur la neige et que dans les missions où il y a du sable, comme en Afrique. Sinon, sur le gazon, il ne peut pas le faire, évidemment. Il ne peut pas s'enfouir sous terre. C'est pas une taupe. Il peut s'enfouir sous la neige et dans le sable. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais essayer. Donc de m'occuper de ce soldat-là. Donc je clique dessus pour voir ce qu'il voit. Je viens. Je vais me pointer ici. On peut courir, hein, je vous dis, en double-cliquant. Je vais me pointer Laissez-moi faire. ici. Je vais aller me cacher par là. J'arrive. Donc là, il peut pas me voir. Son cône ne va pas jusque-là. Donc si je longe les rochers, Je normalement, il n'y viens. a pas de souci. J'arrive. Je vais aller me mettre ici. Facile. Je peux Laissez-moi pas aller plus faire. loin. C'est Alors, comme ce que je si vais c'était faire, c'est que fait. je vais mettre la boîte là. Alors, je sais pas si c'est bien ce que je suis en C'est train de comme si faire. c'était fait. Voilà, là, j'ai posé la boîte et vous voyez qu'elle s'est dans mon inventaire, ça s'est transformé en télécommande. Si j'appuie là, je mets en route le leurre. Facile. C'est comme si c'était Donc, ce fait. que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder tout de suite. Alors, attention, on va mettre une sauvegarde dédiée test. Vous voyez qu'on a un nombre de slots de sauvegarde assez important, mais quand on sauvegardera plusieurs missions à la fois, ça pourra devenir insuffisant. Sachant je vous l'ai pas dit ça, dans les menus, on a une gestion des profils, on peut créer plusieurs profils pour plusieurs joueurs différents. Donc au pire, on a un nombre de sauvegardes quasiment illimité. Là, on va mettre en route Facile. la radio, et vous voyez, ça n'a pas marché parce Laissez-moi qu'elle est faire. tout simplement allée trop loin. Tout de suite. Hop. Facile. Donc ce que je vais faire, J'arrive. je vais la mettre là et je vais me planquer ici. Je viens. Normalement, ça devrait. Tout de Alors non, suite. je vais plutôt la mettre C'est comme là. si c'était fait. Ok. Tout de suite. Hop. Laissez-moi faire. Facile. Voilà, là il l'a vu. Je vais prendre le couteau et je vais attendre qu'il aille voir le leurre et qu'il me tourne le dos. Par contre, j'ai l'impression que je vais me faire avoir. Ok. Il va faire halt. Voilà, je me suis un peu fait avoir, mais Halt! c'est bon, je suis pas mort. Donc normalement, Laissez-moi il faut faire! s'arranger pour qu'il regarde. Il faut s'arranger J'arrive! pour arriver dans son dos. Là, j'ai fait le bourrin. Je viens!
Le cadavre, on va aller le Ok. planquer, on va le laisser Je ici, c'est viens. très bien. Personne ne peut le voir ici. C'est comme si c'était fait. Donc là, j'ai pris une balle, mais bon, il est assez costaud, donc ça va. Ce qu'on va faire maintenant, on va... alors, par contre, je suis pas obligé d'utiliser le béret vert pour ça. Je vais plutôt utiliser le nageur de combat Bien maintenant, pour ça. vous montrer un autre personnage. Donc, le nageur de combat, c'est lui qu'on va utiliser pour se rendre ici, parce que vous constatez que pour aller ici, le seul moyen, c'est de passer par la rivière. Or, le seul personnage capable de passer par la rivière, bah, tout simplement, c'est le nageur de combat avec son scaphandre, avec sa tenue de plongée plutôt. Donc, on va l'amener J'arrive, mon ici. lieutenant. Alors, vous voyez que chaque personnage a ses propres dialogues. On peut le désactiver, ça, dans l'interface du jeu. On peut enlever les dialogues. Tout de suite, mon lieutenant. Si ça vous énerve trop, on peut l'enlever. Alors ici, il faut faire gaffe parce qu'il y a un mec qui Entendu, voit mon quand même assez lieutenant. bien. Et là, il y en a un autre qu'il faudra tuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se Oui, mon mettre lieutenant. ici. On va ramper. Immédiatement, mon Vous allez lieutenant. voir que normalement, J'arrive, mon lieutenant. il me verra pas. Compris, mon lieutenant. Tout de suite, mon lieutenant. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu les aptitudes du nageur de combat qui sont assez proches pour la plupart, pour sa façon d'attaquer, c'est assez proche du béret vert, mais il a plein Immédiatement, mon d'aptitudes lieutenant. autres. Hop, j'espère que je vais J'arrive, pas me mon faire avoir par lieutenant. le petit bout de conne vert. Non, ça va. Donc là, comme ça, je peux Entendu, mon arriver lieutenant. derrière lui. Je vais le buter. Et je vais pouvoir passer ici. Compris, mon lieutenant. Ouais, j'ai plus besoin de ramper normalement. Lui, il fume sa clope Oui, mon tranquillement. lieutenant. Clac! Et voilà le travail. Entendu, mon lieutenant. Donc là, il faut que j'aille J'arrive, dans mon l'eau. lieutenant. Et vous voyez que dans mon inventaire apparaît une petite bouteille Compris, mon d'oxygène. lieutenant. J'appuie dessus et je suis dans l'eau. Et là, je suis un. Si personne ne m'a vu rentrer dans l'eau avec mon scaphandre, je Oui, suis mon totalement lieutenant. invisible. Et donc là, Tout je de vais pouvoir suite, aller mon ici lieutenant. pour m'occuper un petit peu de ces gardes-là. Oui, mon lieutenant. Tout de suite, mon lieutenant. Donc eux, je sais qu'ils me voient pas parce qu'il y a un mur. Il faut d'abord que j'élimine lui. Ensuite, je vais faire tout le tour en fait. Je vais faire le tour. Je vais aller m'occuper de lui. Et après, je pourrais voler le canot. Hop. Alors, attendez voir. Parce que lui, il faut que j'attende qu'il revienne. Parce que si je tue celui-là et qu'il revient, et après, il faut que je fasse gaffe à lui parce qu'il me voit à travers le grillage aussi, hein. Regardez. Lui, il me voit bien à travers le grillage. Voilà, lui, il voit bien à travers le portail. Sachant que ça, on peut pas l'ouvrir, hein, donc il faut rentrer absolument par la rivière, en fait, hein. Hop. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le cône de celui-là, parce que c'est vraiment lui qui m'emmerde. Et je vais attendre que l'autre là-bas, il revienne. Et une fois qu'il s'est barré, je pourrai m'occuper de lui tranquillement. Parce que là, le temps que je tue celui-là et qu'il revienne, il va revenir. Donc c'est beaucoup de tactique comme ça. Commando, c'est un jeu très très minutieux où on recommence souvent les mêmes actions parce qu'on se fait avoir, où il faut sauvegarder souvent et où il faut établir une stratégie. Il faut bien regarder qui voit qui. Vous voyez ici par exemple, je sais qu'il faut que j'arrive par là parce que bah, lui il regarde par là et lui il regarde par là. Lui il regarde vaguement la rivière. Enfin, ici c'est à peu près safe. Je peux pas rentrer par ailleurs. Donc là, on va attendre un petit peu. On va attendre que lui il se pointe. Donc ça peut être c'est un jeu, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai prévu de vous le dire après, mais je vous le dis tout de suite. C'est un jeu où on passera énormément de temps comme ça à attendre le bon moment, à calculer son coup. Il faut éviter de se précipiter parce qu'en général, c'est comme ça qu'on se fait avoir. D'ailleurs, je n'ai pas sauvegardé. Je vais sauvegarder. Je suis désolé hein, de vous imposer ces sauvegardes incessantes, mais c'est comme ça qu'on joue à Commando. On sauvegarde de manière assez fréquente. Donc lui, on va attendre qu'il arrive là. Comme ça, je tue lui. Je le suis. Une fois qu'il a passé le portail et que celui-là ne m'a pas vu, je peux l'assassiner également. Faut juste que je fasse attention, vous voyez, à ce petit cône là ici. Donc l'idéal, c'est que je le tue plutôt par là. Donc en fait, j'avais largement le temps juste avant de m'en occuper. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur le nageur de combat? Il peut aussi utiliser un harpon pour tuer silencieusement.
Bien sûr, il peut transporter un canot pneumatique, le piloter, transporter jusqu'à deux personnes en plus de lui-même qui pilote le canot, et piloter également toutes sortes immédiatement, de véhicules maritimes, des bateaux, des choses comme ça. Mon lieutenant. Bon, il pilote, à mon avis, il pilote pas tout seul un sous-marin, mais il peut piloter un bateau de patrouille tout seul. Donc là, je vais attendre que lui soit passé. Immédiatement, mon lieutenant. Non, 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 non. Tout de suite, mon lieutenant. Entendu, ah, j'aurais dû y aller, putain. Oui, mon lieutenant. Là... Non, non, non. J'arrive, je vais mon attendre, lieutenant. Je vais attendre, c'est pas grave. Immédiatement, mon lieutenant. Parce que je pense que je vais me faire avoir si je continue. Je vais attendre qu'il ait fait demi-tour. Voilà, lui, il a fait demi-tour. Tout de suite, mon lieutenant. J'arrive, mon lieutenant. Hop. Bon, après, il prend son temps, hein. Oui, mon lieutenant. Allez. J'arrive, alors, mon lieutenant. Des fois, on a des petits soucis sur le double clic, des choses comme ça. J'espère qu'il va pas se retourner. Putain, j'espère qu'il va pas se retourner. Aïe, 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 aïe. Bon, normalement, j'aurais dû étudier son parcours, hein. Clac! Non, c'est bon. Il s'est pas retourné. Don't pray, mon lieutenant. Il s'est pas retourné, donc ça va. Et celui-là, par contre, lui, pouf. Alors, je vais me mettre ici. Oui, mon de ce lieutenant. Côté du mur. Lui, je sais plus comment, je crois qu'il me tourne le dos assez facilement, ou alors faut que j'utilise ici la petite baraque. On peut se planquer dans les bâtiments, dans la plupart des bâtiments, on peut se planquer. Entendu, mon lieutenant. Je vais attendre. Tout de suite, mon lieutenant. Au pire, j'appuie sur C pour m'accroupir rapidement. Non, c'est bon, il m'a pas vu. Voilà, comme ça, je suis planqué là. Et une fois qu'il regarde ailleurs, je peux attendre tranquillement qu'il me tourne le dos. Immédiatement, mon lieutenant. Oui, mon lieutenant. Hop. Et on va s'occuper de lui. Et voilà. Entendu, donc là, mon je récupère lieutenant. Avec la tout main, suite, je récupère lieutenant. Le canot pneumatique et je vais aller chercher, très simplement. T'en prie, mon lieutenant. Alors attendez, que je entendu, dise pas de conneries. Mon lieutenant. Lui, faut que je m'occupe de lui quand même avant. Donc je vais aller ici. J'arrive. Faut que je m'occupe mon de lieutenant. Lui avant parce que sinon il va me tirer dessus quand je vais passer. Compris, mon lieutenant. Donc attendez voir. Lui. Lui bah évidemment alors là, je vais plutôt sortir là comme ça je passe ici normalement il y a personne qui me voit. Je vais quand même sauvegarder. Vous voyez un peu comment ça se passe une partie de commando. Comme ça, après, je peux vous montrer l'espion, vite fait, et puis après, on ira un petit peu plus loin dans le jeu. Je sais, ça va encore être un test qui dure trois plombes. Mon lieutenant. Oui, mon lieutenant. Alors, j'espère que... Attends. Lui, ici. Oh là là là, va, 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 oui, mon lieutenant. Donc lui, je vais m'approcher silencieusement j'arrive, mon lieutenant. De lui par le côté comme ça. Oui, mon lieutenant. Par ici, par derrière. Tout de suite, mon lieutenant. Immédiatement, mon lieutenant. Hop. Oui, mon lieutenant. Voilà. Là, j'ai le mur qui me protège. Faut que je fasse attention quand je vais rentrer dans l'eau. D'ailleurs, lui, il faudrait quand même que je m'occupe de lui et de l'autre, hein. En fait, quand j'y pense. Donc, je vais me remettre en mode. En fait, faut que je m'occupe de tout le monde. Je peux pas juste ramener l'espion parce que ça va être chiant. Immédiatement, mon lieutenant. Donc là, je vais retourner derrière les bobines compris, de barbelés. Je vais retourner dans l'eau et je vais essayer de les surprendre ces deux-là. Tout de suite, mon lieutenant. Faut que je m'occupe de lui et de lui, bien entendu, hein. J'arrive, mon lieutenant. Voilà. Entendu, mon lieutenant. Tout de suite, mon lieutenant. Oui, mon lieutenant. Alors, un truc que je vous montrerai pas, mais qui est très important dans ce jeu, c'est l'alarme.
Bon, quoi que je peux sauvegarder et vous le montrer, hein. Hop, je peux sauvegarder et vous le montrer tout de suite. C'est un des trucs les plus importants dans le jeu, sachant que il faudra éviter de la déclencher, bien entendu. Alors, mettons, je suis un gros foufou, je sors de l'eau et je commence à tirer dans le tas. Entendu, mon lieutenant. Voilà. Regardez ce qui se passe, alarme. Et regardez la troupe qui sort de ces bâtiments-là avec le drapeau nazi. Moi, je me fais mitrailler. Et vous voyez, mon gars est mort. Hein, il y a une tête de mort à la place, il est mort. Je vais recharger ma sauvegarde, bien sûr. Donc ça, il faudra éviter parce que les mecs qui sortent des baraques, mettons qu'on déclenche l'alarme et qu'on se planque. Bon, parfois ils rentrent dans la baraque une fois que l'alerte est passée. Parfois non. Donc c'est con, j'avais une fenêtre là, j'avais une fenêtre de tir, je vais peut-être me faire avoir. Non, on va commencer par lui. Tout de suite, mon lieutenant. On commence par lui. J'arrive, mon lieutenant. Parce que c'est le seul qui bouge. Voilà, et maintenant on peut aller tranquillement. Oh merde. Il y en a un qui a vu quelque chose là. J'espère qu'il a pas, qu'il va pas s'amuser à venir à côté. Ah merde, j'ai fait une connerie là. Vous voyez ce qui se passe, c'est que là il a vu un truc suspect et du coup il a gueulé alarme. Donc quand c'est comme ça, bah il faut recharger parce que l'alarme c'est vraiment une plaie et on risque, en déclenchant l'alarme, on risque de se faire avoir. Alors lui, on va se dépêcher, on va se précipiter dessus. J'arrive, mon lieutenant. Pour pas le tuer trop dans le champ de vision des autres. Voilà. Comme ça, là, il y a personne qui le voit. Et voilà. Donc là, je me suis occupé de ces deux-là. Donc là, je peux retourner ici et je vais amener mon espion. Toujours en faisant attention à cette sentinelle-là que je ne peux pas tuer tout de suite. Parce que je suis vraiment à découvert ici, donc je peux pas le tuer tout de suite. Quoique je pourrais y aller avec le... Bon, tu mets ta combinaison de plongée. Entendu, mon lieutenant. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer vite fait l'espion, le gameplay de l'espion. Alors, j'ai conscience que ça va être un test un peu long. J'arrive, mais dû au type de jeu, en fait, où il y a naturellement des longueurs. Alors ici, on va aller en eau profonde ici, on va déployer le canot et on va dedans. Tout de suite, mon voilà. Lieutenant. Et là, on attend. On va aller. Hop. D'accord. Tout ce que vous on voudrez, va aller lieutenant. Déposer notre espion. Bien. Alors vous voyez que l'espion, il a une trousse à pharmacie. Ça, je vous en parle tout de suite, comme ça, c'est fait, je m'en débarrasse. La trousse à pharmacie, normalement, c'est un autre personnage qui l'a, c'est le chauffeur tout ce que vous voudrez, ou le mécano. Seulement, ce chauffeur ou ce mécano, comme il n'est pas présent dans cette mission, bah, c'est lui ou un autre personnage que vous ne voyez pas dans cette mission, à savoir le sniper, tout ce que vous voudrez, qui est chargé de véhiculer une trousse à pharmacie et qui peut donc soigner ses petits copains. Donc lui, notre espion, vous voyez qu'à la base, il est en civil. Il est habillé, c'est un Français, hein, il s'appelle René Duchamp ou René Beauchamp, un truc comme ça. D'accord. Et c'est un civil. Il est habillé en civil et il va pouvoir se déguiser. Il va pouvoir enfiler un uniforme allemand. Il parle très bien allemand. Bien. Tout ce que et vous voudrez, du coup, ça lui permet de passer inaperçu au milieu de l'ennemi et éventuellement d'attirer leur attention. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais le déposer. Ici. Oui, mon lieutenant. Donc là, faut que je fasse gaffe parce que parce que souvent quand vous êtes là et que vous demandez d'aller là, il reste bloqué à cause des pierres, il reste bloqué. C'est un des problèmes de ce jeu, c'est au niveau des collisions et des problèmes d'animation avec des masses de collision et des masses d'animation avec le moteur graphique, tout simplement. C'est beau, mais c'est pas encore au point à ce niveau-là. Bon, à la limite, j'ai même pas besoin d'utiliser l'espion ici parce qu'ils sont ils me tournent le dos tous les deux. Mais bon, on va quand même, je le descends. Je suis quand même obligé d'aller jusque, vous voyez ici, je peux récupérer un uniforme. Donc lui, il voit l'uniforme, je vais être obligé de l'assassiner. Et lui, il voit pas son pote, donc
Il n'y a pas de souci. Tout ce que vous voudrez, lieutenant. Donc attention, parce qu'il voit quand même assez loin, lui. Mais comme il voit pas son pote, je peux y aller. Donc l'espion, il peut utiliser une seringue de poison tout ce que vous voudrez, pour éliminer les soldats. Et donc maintenant, je vais enfiler l'uniforme. Normalement, personne va me voir. Et maintenant, je suis un officier allemand. Regardez ce qui se passe. Tout ce que vous voudrez, lieutenant. D'accord. Je peux me mettre devant lui, d'accord, dans son cône de vision. Il s'en fout. Il s'en fout complètement. Bien. Je vais quand même l'assassiner. Parce que... voilà. Je vois. Ah oui, si, il y a un truc que je vous ai pas montré. Alors, je vais me mettre devant lui, parce que sinon, tout il va voir son pote. Lieutenant. Admettons que je veuille attirer son attention. Je clique sur le badge qui est là. Ça devient une casquette. Bien. Good et voilà. Et maintenant, il a son attention focalisée sur l'espion. Et il ne bougera pas tant que je fais pas clic droit. Donc pendant ce temps-là, je peux prendre un autre personnage et faire autre chose. Donc je vais faire clic droit. Je vois. Je vais m'en débarrasser. D'accord. Pour le plaisir, j'ai pas besoin de le tuer. Je mais, comprends. Tout ce m'en que vous débarrasse. Voudrez, lieutenant. Voilà. Bien, bien. Maintenant, je vais remonter dans le canot. Il va me redéposer sur l'autre rive et je vais pouvoir aller me promener dans le camp qui est de l'autre côté de la rivière. Je vais pas faire toute la mission, hein. Je vais me promener un petit peu, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, et après je vous montrerai la fin de la mission et le début de la suivante pour conclure sur quelques petits trucs. Voilà. Ah ouais, voilà. Donc le déplacement des véhicules, c'est une plaie dans ce jeu. On aura la possibilité de conduire des Panzers, des camions, des choses comme ça. Parfois, ce sera très très laborieux. Oui, mon lieutenant. Tout de suite. Et même le canot pneumatique qu'on utilisera souvent, c'est un peu le défaut de ce jeu, c'est ça, c'est l'utilisation des véhicules avec le système de collision. Vous voyez, le masque de collision ici, des fois, on va se retrouver bloqué bêtement, alors que a priori, ça passe quoi. Voilà. Tout ce que vous voudrez, lieutenant. Donc là, je vais aller voir ce petit gars là. D'accord. Bien. Ah, je sais plus. Attendez, je vais marcher. Je vais sauvegarder. Il me semble que il faut éviter de courir quand on est en uniforme, ça attire l'attention. Je vais vérifier si c'est vrai ou pas. Ça, c'est un truc qui me revient comme ça. Je l'ai pas noté. Bien. Non, il s'en fout complètement. Donc lui, bah, je vais me placer derrière lui. Tout ce que vous voudrez, lieutenant. Je comprends. Et je vais l'exécuter. Hop. Bien. Voilà, comme ça mes hommes pourront passer là librement. Parce que c'est ici en fait que le camion va venir nous chercher. Donc vous voyez maintenant je peux très simplement, avec mon général, avec mon espion déguisé en général, je peux me promener sur le pont. Bien. Alors vous l'avez vu dans le jeu, vous avez plusieurs types de. Vous avez plusieurs types d'ennemis. Vous avez des ennemis qui sont statiques, comme ce mitrailleur, comme les sentinelles, un petit peu partout, ici, vous voyez, là, ici, là. Donc, eux, ils regardent, leur regard oscille, vous voyez, ils regardent de droite à gauche, mais ils bougent pas. Ils ne bougeront que s'ils voient quelque chose de bizarre. Et encore, des fois, ils bougent pas, ils disent « alarme » et puis c'est tout. Vous avez les patrouilles, pas les patrouilles. Vous avez les sentinelles mobiles, les soldats qui font des rondes, comme ici, ou ici, le long du grillage, vous en avez deux. Vous avez celui-là et un peu plus bas. Un peu plus bas, où est-ce qu'il est? Ici, vous voyez, il y en a un derrière le grillage. Et eux, ils se promènent. Et donc, il faudra en tenir compte. Et vous avez, en dernier recours, vous avez les patrouilles. Alors, eux, c'est particulier. Vous avez un officier à la tête de la patrouille. Parfois, c'est trois soldats. Parfois, c'est un officier qui donne des ordres à plusieurs patrouilleurs. Et ils sont lourdement armés. Chaque sentinelle ici, chaque soldat a une mitraillette. Donc, eux, il vaut mieux pas les emmerder, quoi. Il vaut mieux pas les approcher. D'accord. Alors, une particularité, c'est que si je fais diversion sur un des soldats, la patrouille va continuer son chemin. Par contre, si je j'attire l'attention de l'officier, la patrouille entière va m'écouter comme ça et ils vont rester comme ça. Voilà.
Alors il faut savoir que quand j'attire l'attention d'une patrouille ou d'un soldat, si l'alarme retentit, les mecs ils en ont rien à foutre de moi, ils vont quand même voir ce qui se passe. Donc il faut pas espérer utiliser l'espion pour faire des trucs qui font du boucan derrière. Il faudra vraiment privilégier la discrétion dans un jeu comme Commando. Là vous voyez, j'ai plus qu'à me pointer dans la centrale et à utiliser l'interrupteur qui est là pour couper le courant du grillage. Et après on pourra amener nos troupes sur la rive. Je vais pas le faire, je vais juste vous montrer. Hein. Donc voilà ici, vous voyez, je me promène dans le camp ennemi, il y a plein de soldats. D'accord. Vous voyez, rentrer par ici avec quelqu'un d'autre que l'espion, c'était pas possible par exemple. Tout ce que vous voudrez. Plus on va avancer dans le jeu, plus les possibilités stratégiques seront nombreuses et les différents chemins possibles également. Donc il faudra bien faire attention à ça. Mais dans les premiers temps, on va dire, on se contente de faire ce qu'on nous dit. Mais après, on aura plus de liberté. Je vois, bien. Donc ici, je vais me poster ici et je vais couper le courant du grillage. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, si je voulais, faudrait d'abord que je m'occupe des sentinelles qui sont là. Je pourrais remettre donc l'artificier dont je vous ai pas encore parlé et le béret vert dans le bateau qui est là pour les emmener et pénétrer par ici grâce à l'artificier qui a une pince dans sa musette. Je vais charger la fin de la mission 3 pour vous montrer comment ça se termine cette mission et après je mettrai autre chose. Là, quand vous regardez ici dans le camp, vous allez voir le contraste, il y a des petites taches de sang un peu partout, ça les ennemis les voient pas. Ici, quelques cadavres, et vous voyez qu'en fait, mis à part dans les baraquements là avec les drapeaux où il y a des soldats, mais qui n'ont rien vu, ils comprennent rien à rien ceux-là, il y a personne. Il y a personne, j'ai tué tout le monde, j'ai tué tous les sentinelles. Vous voyez ici, il y a des corps, ici il y en a aussi, là aussi. Et du coup, là, tout ce qu'il me reste plus qu'à faire, c'est faire sauter cette guérite-là, parce que si je m'amène avec mon canot ici, c'est là que je dois poser la bombe, faire sauter le pont. Moi. Si je m'amène ici, concrètement, je suis mort. Eux, ils vont me voir, je suis mort. Donc, je m'amène pas ici sans avoir fait sauter ça auparavant. Problème, il faut un très très bon timing, parce que je vais faire sauter ça à l'aide d'une charge à retardement. Une fois que ça aura sauté, il faudra que je me précipite ici pour faire sauter le pont et ensuite que je me retrouve ici là où m'attend le reste de l'équipe et là où va venir me chercher le camion une fois que le barrage aura sauté. Pourquoi il faudra que ça aille vite? Parce que vous avez à la fois cette troupe là et les gens qui sont dans les baraquements qui vont venir voir et qui vont nous tirer dessus depuis la rive. Une fois qu'on sera dans le canot, ils vont nous tirer dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ces gens-là soient au plus haut. Vous voyez ici, j'ai mon artificier, oui, mon lieutenant. J'ai deux charges. Est-ce qu'on va le voir qu'il y en a deux? Normalement, il me marque ce que c'est, il me donne le nombre. Non? Normalement, c'est marqué deux. J'en ai deux, une pour la guérite et une pour ça. Donc là, la patrouille remonte. Donc je vais aller déposer ma charge. J'espère que ça va marcher. Il faut une très très bonne coordination de bon retardement doux. Je vais mettre en place la bombe. Affirmatif, mon lieutenant. Là, on entend le bruit de réveil. On se dépêche. On sélectionne. Bien sûr. On se barre. Vite. Jusque-là. Une fois que ça a sauté, on va là. Vite, saute. On a à peu près 10 secondes. Allez, hop. Je suis, mon lieutenant. Là, on reprend l'artificier. Oui, mon lieutenant. Vous voyez, l'alarme comme dans les 12 salopards. Hein. Hop, on prend la bombe à retardement. Affirmatif, mon lieutenant. On remonte. Okay, on se casse. Vous voyez, ils vont arriver. Hein. Ils vont pas tarder à nous tirer dessus. Allez, dépêche-toi. Je suis, mon lieutenant. Ah bon, ça va,
Ils n'ont pas trop... Entendu, mon lieutenant. Hop, vite. Oui, mon lieutenant. J'arrive, voilà. Donc le barrage a sauté, vous voyez, il fuit. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si on n'allait pas assez vite, il y a des troupes qui allaient passer le pont ici et venir nous tirer dessus et tirer dans le camion. Donc là, le camion, on va attendre qu'il s'installe. Il va s'installer là, normalement. Et on va aller dedans et la mission est finie. Bien, mon lieutenant, j'arrive dans un instant. Tout ce que vous voudrez, lieutenant. Alors normalement, on peut sélectionner plusieurs commandos en même temps. Je viens. On fait comme ça. Ok. Comme ça. Je viens. Entendu, mon lieu. Voilà, et le camion là, c'est automatique, le camion part tout seul. Il y aura certaines missions, il faudra utiliser le chauffeur pour partir avec un camion. Et la mission est terminée. Donc la mission terminée, vous avez le ranking qui s'affiche. Donc notamment des statistiques sur le nombre de soldats tués. Sachant qu'on n'est pas obligé de tuer tout le monde. On a ici un grade, donc pareil, qui va augmenter en fonction de nos performances. Le nombre de véhicules détruits, ben, il n'y en avait pas. Le nombre de bâtiments détruits, ben, 2, le barrage et la guérite. Le temps de mission a subi des dommages. Donc vous voyez, là, j'ai des étoiles parce que je me suis fait tirer dessus et soigner à plusieurs reprises. Et le mérite de mission, ben, 1 étoile sur 3. Pour bien faire, il aurait fallu que je ne subisse pas de dommages et éventuellement que j'aille un peu plus vite ou je sais plus comment... ou que j'aille un peu. Peut-être que c'est le temps qui m'a fait défaut. J'aurais dû aller plus vite. Et en fait, on a un mérite global qui s'affiche ici et le mot de passe, bien entendu, pour revenir à cet endroit-là pour de nouveau démarrer la mission à partir de là, nouvelle mission à partir de là, la campagne, pardon, à partir de là. Une chose que je peux vous préciser à partir de maintenant au niveau des musiques, vous avez vu que les musiques, elles sont présentes surtout en début, en fin de mission et durant les briefings. Sinon, pendant le jeu, il n'y a pas de musique. Par contre, il y a des bruitages, les voix des Allemands, les bruitages de mitraillettes, etc. Donc, musique assez discrète et bruitage réaliste dans l'ensemble. En parlant des missions, la durée de vie de ce jeu, c'est 20 missions complètes, plus les 6 missions d'entraînement qui comptent pour du beurre. 20 missions complètes, c'est énorme. Sachant que le jeu est extrêmement chronophage, faut compter plusieurs heures pour réussir une mission. Un peu moins quand vous avez l'habitude et que vous voulez faire grimper le score, mais sinon, c'est plusieurs heures pour finir la mission. Et c'est un jeu qui possède une difficulté quand même très élevée, même dès le début. On est à la mission 3 alors. Mission 3, vous allez voir, là, je vais lancer la mission 4, vous allez voir ça tout de suite. Ça se corse déjà pas mal. Hein. On y va pour la mission 4, avec toujours le petit temps de chargement qui va bien. Je vais vous laisser le briefing et le début de mission, et après je vous présenterai les deux personnages qui restent. À la mi-mars, le Blitz sur la Grande-Bretagne est plus violent que jamais. Londres, Liverpool, Glasgow et d'autres villes sont fortement touchées. Churchill reconnaît la nécessité d'effectuer des incursions derrière les lignes ennemies pour soutenir le moral de la nation. Le commandement militaire allemand a établi son QG dans une villa de Stockham, près de la ville norvégienne de Trondheim. Votre objectif est de détruire ce QG et de semer la panique dans la région. Votre position est au sud du QG ennemi. Du matériel supplémentaire vous a été parachuté, mais le largage a malheureusement eu lieu trop au nord. Vous devez d'abord récupérer ce matériel. N'oubliez pas que le matériel ne peut être manipulé que par l'homme qualifié pour l'utiliser. Vous devez attaquer la villa et provoquer le plus de dégâts possible. Puis, vous devez vous emparer du navire de patrouille et filer vers le nord par la mer. N'oubliez pas que vous êtes très inférieur en nombre. Si j'étais vous, j'essaierais de gêner les mouvements de l'ennemi et de disperser ses forces. Pour cela, emparez-vous d'un camion et mettez-y le feu à l'entrée du camp afin de protéger votre retraite. Si vous arrêtez le train au passage à niveau, vous pourrez ainsi bloquer le camion et vous en emparer. Ce sera tout. Bonne chance, lieutenant. Voilà, donc ça c'est la mission 4. Il y a 20 missions.
Donc déjà bien chaude, hein, parce que ici vous avez, nous on démarre là, on démarre ici. Vous avez des sentinelles partout ici. Donc ici en gros pour pouvoir passer, faut faire un peu de barouf pour attirer les sentinelles qui sont ici dans un piège, parce que sinon on passe pas, hein, c'est même pas la peine. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Après on a une petite patrouille ici, on a un mitrailleur ici, on a des mecs qui voient ici, donc ça va être un peu chaud. Une patrouille quand même assez conséquente ici, le train, donc faut passer là, et un char qui est dans l'eau là, toujours le souci du détail, hein. Ici on a soldat, ici on a un sidecar, donc lui s'il entend quelque chose, il va prendre son sidecar et il va aller avertir le camp qui est là. Donc faut faire attention aussi à ça. Et l'idée c'est qu'il faut qu'on aille voler un camion par ici par là, là avec le en bloquant le train, je sais pas comment. Mais avant il faut récupérer notre marchandise ici, tout ce qui est tombé par erreur ici. En faisant attention parce qu'il y a une patrouille qui se promène par là. Donc c'est une mission qui est déjà très très difficile pour le début du jeu et qui fait référence, bien entendu, même si dans les détails de la mission ça se voit pas, qui fait référence en fait aux 12 salopards, puisque l'idée c'est de faire sauter, tiens le camion est là, c'est de faire sauter une villa qui abrite des généraux. Voilà, regarde en blanc, tiens. Par contre dans cette mission là on n'a pas l'espion, donc on pourra pas utiliser nos possibilités de diversion. Un truc que je vous ai pas dit, ils l'ont pas dit dans cette mission là, ça arrive dans certaines missions, il y aura des endroits, par exemple ça pourrait très bien être ici, mais j'en suis pas sûr. Il y a des endroits où vous pourrez être mis en prison si un de vos soldats est vu et capturé, il va être ramené dans une prison, mais il sera pas tué, les autres pourront le sauver. Ça pourrait être un contretemps, et dans certaines missions ça pourrait être utile parce que ça permet de se rapprocher d'un objectif. Rapidement, je vais vous parler des deux soldats qui nous restent. Le sniper, donc lui, très simple, il peut utiliser comme ici un fusil à lunettes. Donc vous voyez, on a un petit réticule. Quand le réticule est rouge, ça veut dire qu'il ne peut pas atteindre la cible qui est dedans. Et quand il n'est pas rouge, il pourra l'atteindre. Donc vous voyez ici par exemple, je peux pas atteindre ce soldat parce qu'il y a les arbres qui me gênent, vu que mon soldat il est par là, quoi. Donc lui il peut tirer à distance, sachant qu'on a un nombre de cartouches limité, si j'en ai que 4. Mais peut-être qu'il y en a dans les caisses qui sont un peu plus au nord, qui sont tombées en parachute. Et habituellement, quand le chauffeur qui est là n'est pas présent, le sniper peut aussi utiliser un kit de premier soin. Celui qui dit sir, yes sir, c'est le chauffeur. Donc lui, c'est le bourrin du groupe. C'est pas le béret vert, le bourrin, c'est lui. Lui, c'est le bourrin et le mécano. C'est-à-dire que lui, il peut piloter n'importe quel véhicule terrestre. Par exemple, ce Panzer là, vous voyez, si j'arrive à m'en approcher, je peux en prendre le contrôle et l'utiliser. Il peut piloter des chars d'assaut, des camions, etc. Il peut aussi utiliser, là on voit, il a une arme de service comme les autres, mais normalement ici, il y a une mitraillette, une mitrailleuse Thompson. Malheureusement, on l'a pas dans cette mission-là. À mon avis, elle est dans le... Elle est là-bas, attendez, est-ce qu'on nous le dit dans les objectifs secondaires? Trouvez un parachute et prenez les approvisionnements. Faites attention, il y a des gardes motorisés, etc. Donc, il faut d'abord aller chercher son matériel, parce qu'à mon avis, dans le matériel, on aura les explosifs pour l'artificier, parce qu'ici, à part des grenades, il a rien, qui nous serviront à faire sauter la villa. La mitraillette de notre ami, le chauffeur, et éventuellement des munitions supplémentaires pour le sniper. Donc, une mission assez complexe que je vais pas me risquer à commencer ici avec vous, parce que ça prendrait trop de temps et parce que j'ai déjà passé pas mal de temps sur ce test. En conclusion sur ce jeu, vous avez remarqué que le jeu avait une réalisation superbe. C'est un jeu qui est magnifique. C'est un jeu qui a une ambiance unique, reprenant les standards des années 60 en termes de films de guerre, reprenant une véracité historique que je trouve moi admirable. Donc on a un jeu qui est très réussi d'un point de vue technique et d'un point de vue de l'ambiance, et un gameplay tout simplement passionnant. C'est simple, c'est le genre de jeu, c'est un des genres qui se fait de mieux en termes de stratégie sur PC. Ça plaira pas à tout le monde de par la difficulté du jeu. Il y en a beaucoup d'entre vous qui probablement seront séduits par le genre mais décrocheront rapidement au bout de la 6e, 7e mission. Moi je me souviens qu'à l'époque j'ai décroché sur ce commando, je crois, la mission
13 ou 14, quelque chose comme ça. Donc j'ai été allé assez loin, mais je suis pas allé au bout. Parce qu'il y a, il y a un moment, ça devient vraiment trop dur. Puis on y passe facilement 2, 3, 4 heures par mission. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. Donc ça, c'est à recommander aux amateurs pointilleux du style qui aiment beaucoup ce type de jeu, mais qui auront aussi beaucoup de temps à consacrer parce qu'il y aura du temps pour prendre en main le jeu, du temps pour faire les missions et beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de patience pour en venir à bout et venir à bout de son add-on et de ses suites. Mais si vous aimez le genre, c'est du tout bon. Je vous laisse sur le briefing et la présentation de la carte d'une mission un petit peu plus loin dans le jeu pour que vous voyez un autre environnement. Merci à tous d'avoir suivi ce test de Commando derrière les lignes ennemies sur PC. C'était Doc McCoy. Salut! Le croiseur Bismarck, joyau de la Kriegsmarine, a été coulé en mai 1941 lors de sa première sortie en Atlantique Nord. Ce navire avait une puissance de feu suffisante pour couler le croiseur Hood et entraîner toute la flotte britannique dans une longue et difficile poursuite. Nos rapports nous signalent qu'une copie exacte du Bismarck a été construite dans le port du Havre et qu'elle doit partir patrouiller aujourd'hui le long des côtes de Normandie. La résistance française peut nous aider à y placer 4 hommes. Si nous parvenons à saboter ce navire, nous pourrons mettre un terme à la renaissance d'une légende et faciliter nos opérations futures dans la région. Vous serez débarqué sur le dock sud du port. Ici se trouve un sous-marin de poche puissamment armé. Vous devrez l'amener à proximité du cuirassé et lancer une torpille sur sa proue. Ensuite, vous emprunterez un canot pneumatique pour aller au sud de la balise. Lieutenant, voici votre chance d'écrire une page d'histoire. Tous mes vœux de succès vous accompagnent. Merci.